Bonjour à tous, ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce 13e épisode sur Rimworld, toujours en compagnie de Bedi-Toc, Alèze, Jota Baïto, Tiberians, Joachim Vomi et Ahmed. Alors, on s'était laissé dans le dernier épisode, plusieurs étaient atteints de la malaria, mais heureusement on a des médicaments, donc de quoi s'en sortir déjà un petit peu plus. Ça c'est déjà pas mal, et on va essayer de soigner un petit peu tout le monde. J'ai fait aussi un petit changement, j'ai mis plusieurs personnes à la cuisine, tout simplement pour qu'on ait régulièrement de la nourriture. Et que Alèze ensuite puisse se concentrer sur les cultures pour qu'on puisse avoir les plantes de vie qui seront nécessaires pour les médicaments. Et puis même si la recherche est importante, c'est pas notre priorité première. Donc si on pouvait s'en sortir sans, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc on va essayer si on peut de s'en sortir un petit peu sans. On va rajouter. Est-ce que je peux avoir ça s'il vous plaît? Merci, ok, bon. Donc on va essayer de s'en sortir, hein, tout simplement, de progresser là-dessus, ce qui ne sera pas le plus évident, faut bien l'avouer, mais au moins une fois qu'on s'en sera sorti, on pourra déjà mieux progresser. Un colon a besoin de soins, Ahmed. Ok, bon, va soigner Ahmed, s'il te plaît. Parce que c'est celui qui m'inquiète le plus, hein, en termes de maladie, c'est celui qui a le moins d'immunité. Et du fait de son âge, ça n'aide pas beaucoup. La malaria étant pas la maladie plus simple. Mais voilà, Tiberians va se mettre à la maladie. Alors pourquoi à la cuisine, pourquoi? Parce que tout simplement, même s'il est moins bon pour l'instant que Alèze, l'intérêt c'est qu'il a une capacité d'apprendre beaucoup plus rapide. Si on prend Tiberians et qu'on voit ses aptitudes, vous voyez qu'en cuisine, il va apprendre 100% plus vite alors que les autres sont à 35%. Donc ça veut dire que sur la théorie, il va être bien meilleur pour faire ce dont on a besoin. Et ça sera très bien pour vraiment progresser et permettre d'avoir un soin un peu de qualité, on va dire, à défaut. Et puis bah après dès qu'on aura ce qu'il nous faut, on pourra vraiment envisager des soins beaucoup plus importants, ce qui sera je pense plus efficace pour nous. Donc on va voir un petit peu ce qui peut être réalisé bien sûr au fur et à mesure. Mais l'intérêt est là, hein, c'est surtout de faire en sorte qu'on puisse aller. Bon, le Sumbro est en train de partir, malheureusement on l'aura pas capturé. C'est un animal que j'ai toujours voulu capturer, mais on réussira peut-être si on arrive à le coincer dans une zone où on a des arbres, etc. Sachant qu'il mange beaucoup de ça, ça pourrait être pas mal. Tiberians, victime d'une intoxication alimentaire. Bon, en même temps, s'il a essayé de manger un de ses plats, ça a pas dû bien aider. Mais bon, déjà, ça progresse. Les constructions aussi. Jota Baito, d'ailleurs, qui devient un constructeur émérite, professionnel compétent. Déjà, ça c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avancer. Là-dessus, et ça c'est plutôt une assez bonne nouvelle. Donc on va pas trop se plaindre. On va essayer de terminer le pemmican et on va laisser un peu fuir les éléments en termes de nourriture dès que possible. Parce qu'il va falloir qu'à un moment on progresse, hein. Là-dessus, il va falloir vraiment avancer. Est-ce qu'on a d'ailleurs des animaux qui seraient morts ou qui seraient... Oui, regardez, hop, on a un singe mort, donc ça pourrait permettre de travailler un petit peu. Est-ce que l'on a plus d'animaux ou plus de choses de décédés qui sont dans le coin et qui pourraient être retravaillées? Ça serait bon à savoir, en tout cas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Ouais. Ce sont des cadavres. Des cadavres d'animaux, malheureusement, il y en aura un peu de partout, hein. Entre les serpents qui attaquent un peu tout ce qui bouge, c'est pas pour aider. Mais bon, on va pas trop se plaindre, on arrive quand même à progresser. Et Alès qui progresse aussi en cuisine, hein, niveau 4 pour l'instant. Quasiment un cinquième du niveau 5, de la route du niveau 5 de réalisé. Ce qui est pas trop mal. On n'a pas vraiment de cuistot, hein, donc c'est vrai que ça aide pas pour vraiment soigner tout le monde. Et ça aide pas non plus pour résister mieux à la malaria. 65% pour Ahmed. Tiberians est à 73%. Oui, et Jota Baito est à 72%. Donc pour l'instant, ça tient. C'est pas excellent, mais ça tient. On va déjà faire avec. Allez, Ahmed a besoin d'être soigné. On a quand même 16 plats qui sont réalisés. Et le pemmican devrait pas trop tarder.
On est à 446 sur 500. Donc on est sur un bon rythme quand même. Hein. On a des équipements supérieurs quand même qui sont fabriqués. Bon, certains sont horribles. On pourra les démonter et les refabriquer, d'ailleurs les vendre. Ça pourrait être intéressant si certains acceptent d'acheter de l'équipement. Voilà, Tiberian et Alès qui travaillent ensemble, ça c'est déjà une bonne chose. Bon, Tiberian qui vomit aussi sur du cuir de singe, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ok. Et la recherche ici quasiment terminée, hein. 474, c'est plutôt pas mal. En même temps, Beditok est un très très bon chercheur. Un niveau 13, c'est carrément un maître. Hein, donc, et puis, il a une capacité d'apprentissage 150%. Donc, autant dire que ça progresse à très 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 grande vitesse. D'accord, il est à 4700 sur 4000. Bon, vous voyez qu'au bout d'un moment, quand même, le niveau d'apprentissage finit par diminuer. Tant que vous n'avez pas passé un niveau, en fait, vous diminuez. Après, une fois qu'il est passé, c'est bon. Hein, mais il faut pouvoir. Pour ça que ça fait. Ça bloque un petit peu au bout d'un moment. À moins de faire constamment le même job, ça devient vite compliqué quand même. Bon, Tiberians, en termes de santé, ta malaria, 77% ici. 69% et Jota Baito 76%. Ok, bon, on s'en sort, hein. C'est pas excellent, excellent, mais on s'en sort doucement. Tant qu'ils sont pas passés en important, je me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est surtout voilà, le fait qu'on puisse progresser. Que fait Ahmed pour l'instant? D'accord, il continue de faire le ménage tranquillement mais sûrement. Est-ce que Ahmed. Oui, surtout du nettoyage du transport ensuite. Ok, il n'y a pas trop de mauvaises choses pour le moment. On va peut-être partir sur un peu de chasse encore, je ne sais pas. Oh, il y a du sol là que l'on peut peut-être enlever. Pour récupérer, pour faire notre sol à nous. Ça pourrait être sympa. Et je chasserais bien de l'émeu, mais le problème de l'émeu, c'est que bah, il sait se défendre aussi. Donc même si c'est un animal qu'on peut avoir en grande quantité ici, c'est pas toujours évident. Bon, Tiberian, est-ce que tu as progressé en cuisine quand même? Cuisine niveau 2, ce qui est plutôt pas mal. Donc il fait un bon niveau, hein. C'est pas mauvais hein, quand même ce qu'il fait. Ouais, il prend quasiment 100, 118 par niveau. Alès va pouvoir s'occuper de monter son agriculture. Passer niveau 6, ce serait parfait. Ça donnerait un bon. Ok, le pemmican a été recherché, très bien. Alès, va aller soigner Ahmed, ok. S'il pouvait passer niveau 6, on se rapprocherait de pouvoir faire les plantes médicinales, ce qui serait vraiment une très très bonne chose. Jota Baito, malaria légère, 81%. Ok, on est encore en léger, pour l'instant c'est assez bien. Tiberians aussi étant léger. On a passé les 80, enfin on n'est pas trop loin des 85%, donc ce qui veut dire que ça pourrait être parfait pour être sûr de soigner tout le monde. Là on approche les 6000 points. Est-ce qu'on a du coton ici? On a bien du coton, on a du fraisier, on a pas mal de choses. Et Alès va se mettre à la cuisine, ouais. Qui a besoin de soins Tiberians? Oh, nous avons un éléphant! Bien! Très très bien! On a réussi à avoir une éléphante. Est-ce qu'on pourra avoir un éléphant dans ces cas-là? Une éléphante. Donc on va l'amener à la base. Vous voyez qu'elle peut tout apprendre et transporter. L'avantage, c'est qu'on pourra lui faire transporter des choses pour s'assurer qu'on ait vraiment ce qu'il faut. L'éléphant, ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Enfin un éléphant dans le groupe. Alors bon, bien sûr, ils vont pas trop apprécier les zones froides. Mais on pourra faire déjà des choses beaucoup plus intéressantes.
Prendre des pommes de terre, parfait. Chinchilla la femelle, non. Est-ce que tu pourrais pas soigner Tiberians? Il a déjà été soigné, d'accord. Bon, un chinchilla, ça m'intéresse beaucoup moins. Enfin, le chinchilla, c'est un peu comme les lapins. Hein. Je les prends pour dire d'avoir de quoi reproduire, en fait, on va dire. L'idée, là, hein, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser. Et j'avais pas un mur, si j'ai un mur à détruire par ici, mais pour l'instant. Et on a réussi à... un chinchilla femelle aussi qui vient rejoindre la base. Donc on va essayer de, de leur apprendre des choses. Notre éléphante, ça c'est beaucoup... Bon, on a quand même du foin, hein, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait l'éléphant? Il mange un plat simple. Ah oui, non, mais si tu manges des plats simples alors qu'on a besoin de ces plats-là, c'est pas trop, trop le délire, mon éléphant. Hein. Ça c'est pas mal quand même qu'on ait un éléphant, je trouve ça assez, assez intéressant. Bon, Tiberians fait du bon travail, on va lui demander de transporter tout ça pour l'instant. Tiberians s'est passé à... Est-ce qu'il est pas... Il a monté de niveau pour la cuisine. Cuisine toujours niveau 2. Ok, on a un animal fou, un cassoir femelle, hein, qui a décidé que c'était le temps pour elle de mourir. Tu vas attaquer qui? Ah d'accord, oui, l'éléphant a carrément foncé dans le tas et est allé démonter le cassoir. Ah oui, celui-là, il a pas eu trop de chance pour le coup. Bon, bah c'est pas mal, on va pouvoir ajouter du mobilier pour les animaux. Histoire qu'on puisse quand même progresser là-dedans. Et Jotabaito va pouvoir utiliser les blocs d'ardoise pour continuer le sol qui va progresser doucement mais sûrement. Alors, on a ça, on a encore... ouais. On a pas mal de choses, ça c'est pas trop mal, on va pouvoir passer un peu le temps parce que ça discute, c'est pas mal, les gars entre eux s'entraident. L'éléphant qui dort sur son petit sac de couchage ici. Une large horde de caribous passe dans le coin. Et d'ailleurs, hop, on aura ça à récupérer. Et on a une aurore boréale en même temps, ce qui permet... Alors l'aurore boréale, l'intérêt, je sais plus si on l'avait vu ensemble, c'est que ça fait une nuit beaucoup plus claire. Et ça permet d'apaiser un petit peu tout le monde, ce qui est pas trop mal. Vu que tout le monde trouve ça joli, c'est plutôt accepté. Donc, mais ça fait une ambiance assez jolie, hein, faut bien l'avouer. C'est plutôt très très beau. Bon, l'aurore est terminée malheureusement, mais ok. Ok, donc de ce côté-ci, malaria importante, malaria légère, 92%, c'est soigné. Hein. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Ahmed. C'est vraiment Ahmed qui m'inquiète le plus. Il faut bien l'avouer. % soins de qualité, donc il devrait pouvoir s'en sortir. Hein. Repousser l'avancée de la maladie. Ça c'est en normal, en bon, normal. On a quand même des... Bon, après, quelques lits qui sont en horrible, mais dans l'ensemble, si on regarde bien, les intérieurs sont plutôt pas mal. Bon, horrible, misérable pour le luxe. Horrible, misérable, pareil. Horrible, misérable. Ouais, il manque quelques statues, je pense. Mais bon, en même temps, on n'a pas commencé les statues à proprement parler. Donc, on va en faire, essayer d'en faire 5. Et en termes de nourriture, nous sommes à 22. Il nous faut 23. On va aussi fabriquer, si on peut, du pemmican. Du pemmican jusqu'à en avoir.
une petite trentaine, histoire qu'on ait vraiment des ressources au mieux. Le pemmican, c'est très utile pour pouvoir se déplacer, beaucoup plus résistant que les plats simples, par exemple. Donc c'est des plats qui, pour nous, permettent de nous déplacer, pourquoi pas d'aller faire du commerce. Et nous avons un raid, un groupe d'indigènes des peuples des collines violées. Alors, voyons voir de quoi ils sont équipés. Arc, 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 arc et arc. Et c'est tous des arcs courts. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de portée qu'eux. Est-ce qu'ils vont nous attaquer tout de suite? Pour l'instant, ils sont en train d'errer. Ok, bon. On va appeler tout le monde à la rescousse. Tiberians, mets-toi en position. S'il te plaît, Joachim, tu vas être ici pour le moment. Ahmed, tu vas équiper le pistolet mitrailleur. Beditok, tu vas te mettre sur ta carabine ici. À l'aise. Jotabaito. Ahmed, la mitrailleuse, tu vas te mettre prêt. Et à l'aise, tu vas te mettre prêt aussi. Alors je les mets derrière des arbres parce que ça fait une couverture, hein, tout simplement. Alors l'éléphant, on va l'assigner plutôt à Joachim, hein, pour l'instant, histoire que, bah, vu que ce sont des personnes au corps à corps, qui puissent être équipées. Allez, on recule pour pas se mettre en danger. Pour l'instant, c'est nous qui touchons, hein, pas eux. Ah, l'éléphant, il fait du dégât. Hein. Ok. Alors, on va pas faire plus de dégâts que ça. Hein. On n'a pas besoin. Par contre, il nous faut. Alors, ordre. Mobilier. Il nous faut des lits supplémentaires pour capturer les personnes. Donc toi tu vas capturer Gamba et toi tu vas capturer Sardine. Les autres, ben, sont décédés donc on va les déshabiller. Et on va récupérer les arcs bien sûr. Très très bonne bataille. Donc on va voir un petit peu ce que l'on peut capturer. Fourmi, gardien du feu, c'est une... bah, vient de décéder. Ou est décédée, pardon. Alors Sardine, archer femelle de 24 ans. Et Kamba, archer femelle aussi de 23 ans. Bah, alors déjà, prisonnier, on va... bon, 99%, ça va être difficile. Mais on va déjà discuter avec elles, bien gentiment. Et puis on les relâchera si on n'arrive pas à les recruter. Bon, 99%, il y a très peu de chances, hein, qu'on les recrute, qu'on soit quand même bien clair là-dessus. Mais voilà, on va essayer dans la mesure du possible, peut-être de voir un petit peu, déjà de les soigner. Et puis si elle voit que ça va un petit peu mieux, on pourra peut-être voir pour en recruter une, histoire qu'on ait au moins une demoiselle dans le lot. On m'avait proposé des noms, hein, féminins d'ailleurs. Alors, le sol est quasiment fini de ce côté-ci. Quand même, est-ce qu'on pourrait soigner l'autre? Parce que là, j'ai une personne qui n'est pas soignée là. Parce que c'est vrai qu'on a pris quand même quelques claques. Bon, la malaria est toujours légère de ce côté-ci. 90%, ouais, l'immunité est assurée, hein.
Elle est assurée quand même. Si on pouvait soigner cette personne-là, ça serait pas mal. Bon, c'est bon, les maladies sont plutôt en bon état. Oui, les médicaments sont rares, bah je sais bien, mais bon, on n'a pas le choix. Pour le moment, on soigne nos deux personnes qui sont avec nous. Et on va essayer de faire ça bien. Ce serait parfait. Et on va pouvoir bah, déjà bien avancer, je pense, là. Ok, Tiberians a été guéri. Donc Tiberians n'a plus la malaria, semble-t-il. De ce côté-ci, 99%, c'est parfait. Et Ahmed a une malaria encore légère, mais 92%. Donc autant dire qu'il est soigné. Hein. Ahmed est sauvé. Donc ça sera très bien. Par contre, Alèze est blessé. Ça, c'est pas bon. Bon, quelques contusions et ou taillades avec des arcs. Mais rien de d'impossible non plus. Une perte de sang sévère quand même pour Kamba, qu'on a réussi à soigner, qui ne devrait plus mourir. Ça, c'est bien. Et perte mineure pour Sardine. Donc, ok. Alors, voyons voir. Sardine en aptitude. Très bonne agricultrice, très bonne artisane aussi. Bon, un petit peu de cuisine, mais pas vraiment. Par contre, de ce côté-ci, gâchette facile et jalouse pour Kamba. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pour Sardine, qu'est-ce que c'est? Les aptitudes noctambule, donc aime la nuit, révulsée des produits stupéfiants, donc n'aime pas les produits chimiques, évite l'alcool. Incapable de diplomatie. Bon, enfant abandonné et solitaire, ça résume un peu le truc. Alors que là, on a un enfant vengeur. Et gardienne du savoir. Donc c'est plutôt une intellectuelle pour le coup. Mais au moins, on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Ça devrait être pas trop trop mal. On peut envisager vraiment les constructions. Ok, là le mur, on va l'avancer petit à petit, ce mur-là. Hein. Le but c'est de fermer ce trou, éviter que ce soit une possible accès par des adversaires qui auraient envie de venir nous embêter. Donc le but c'est vraiment pas là. Hein. Ces personnes-là, bon, pour l'instant fragilisées, critiques sur certains trucs. Bon, la perte de sang a diminué quand même. 50% de son corps vidé de son sang, c'est quand même violent, hein, il faut bien l'avouer. Mais en termes de blessures ou autres, ça progresse. Bon, on n'est pas à un niveau non plus excellent, excellent, mais on n'est pas non plus au plus bas, hein. On va mettre un sol en bois. Ici quand même, histoire d'avoir un truc un peu plus joli. Tiberians continue la cuisine et progresse. Aptitude cuisine niveau 2. Il est pas très loin de passer niveau 3. Faudrait peut-être chasser par contre. Il y a un peu de capybara, mais peut-être du lama, tiens, histoire d'avoir un peu de laine. Et on va essayer d'avoir un éléphant femelle. C'est quoi ça? Non. Domptage échoué, 6% de chance. Pourtant, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas suffisant. Il a manqué un petit peu quand même. Ok, Sardine nous aussi n'est plus incapable de marcher. Donc on a nos deux personnes ici qui peuvent. Bon, perte de sang insignifiante, c'est tout à fait acceptable. Perte de sang moyenne, c'est tout à fait acceptable aussi. Et on a de la tempête pluvieuse, ce qui n'est pas une très très bonne nouvelle. Puisqu'il y a des risques d'incendie. Bon, après, il pleut, donc l'incendie ne foutra pas le feu à nos maisons. C'est déjà ça. Mais ça reste quand même un peu dangereux. Et on va essayer d'améliorer un petit peu les environnements. Ouais, voilà, il y a du feu. Bon, ça s'est éteint quasiment tout de suite. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette tout le monde en tant que pompier. Parce que ça ne prenne pas plus feu que ça, ça serait dommage sinon pour nous.
Et Tiberians continue tranquillement de faire son travail. Mine machine compactée, d'accord. Transporte de la pomme de terre, s'il te plaît. On est sur du bel environnement, hein, quand même. On commence à avoir une zone, voilà, qui est assez riche pour le luxe. Ça, c'est plutôt acceptable. L'espace est spacieux, la splendeur est terne, mais ça reste une salle à manger tout à fait acceptable. Ici, on a une cuisine. Ici, nous avons une caserne de prisonniers. Là, des chambres. Bon, en horrible ou misérable, mais bon. Terne pour ce côté-ci, quand même, c'est pas trop trop mal. Horrible ici, horrible, terne, médiocre. Bon, les médiocres, c'est déjà un peu mieux. Ça progresse doucement mais sûrement. Mais en tout cas, on va pouvoir laisser tout le monde rejoindre tranquillement sa chambre. Il restera plus que Ahmed et on pourra s'occuper peut-être de nos deux prisonnières. C'est vrai que je serais peut-être plus. Hostile, d'accord, bon. Oui, il considère Joachim comme un ami, c'est pas mal. C'est vrai que cette personne-là est pas trop trop mal, plutôt une bonne agricultrice, donc ça pourrait être intéressante. Je suis un peu moins fan de Kamba. On va peut-être pouvoir relâcher Kamba. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode en tout cas. Ce qu'on fait, c'est que dans l'épisode prochain, on va relâcher Kamba, on va essayer de recruter Sardine, on va essayer un petit peu, si on n'y arrive pas, 99% c'est très difficile hein, quand même, si on n'y arrive pas, on la relâchera également. Histoire d'améliorer nos relations avec le peuple des colis violettes, qu'on soit plus attaqué. Les pirates sont plus faciles à convaincre, donc ça c'est pas trop trop gênant encore. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode, excusez-moi, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo, et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!